On ne sait pas à l'heure actuelle où se trouve M. Ben Bella. On pense qu'il se trouve soit au Palais du Peuple, soit peut-être à l'Amirauté, parce que l'Amirauté est un des bâtiments d'Alger qui sont à l'heure actuelle les mieux gardés. Mais ce n'est qu'une simple supposition. Alger a donc connu sa deuxième journée de révolution. Une révolution qui ne fait pas trop de bruit. Ici, nous avons vécu un dimanche comme tous les autres, les Algérois étant plus préoccupés par l'état de la mer, la chaleur, les nuages, que par le putsch du colonel Boumediene. Sur le plan politique, pas de changement. Aujourd'hui, se sont tenues à Alger de nombreuses conférences, notamment au Palais d'été, aux alentours de la ville de la Jolie. Le colonel Boumediene apparemment cherche une équipe. Il a reçu un envoyé spécial du président Nasser. Il est tenu en relation permanente avec toutes les ambassades du Moyen-Orient. On sait que M. Bouteflika, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui serait à la base de ce putsch militaire, reste ministre des Affaires étrangères. On sait qu'un ministre a été tout simplement chassé, mais en gros, c'est à peu près la même équipe. Alors, est-ce que cela veut dire que l'on fait du benbellisme sans Ben Bella? Ça, je pense qu'il faudra attendre 3-4 jours pour le savoir. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que j'ai pu, pendant de longues minutes, bavarder avec les Algériens. Là, je crois qu'on peut faire deux groupes, ceux qui ne veulent pas parler, ils sont les plus nombreux, 60-70%, puis ensuite ceux qui veulent parler. Ceux qui veulent parler, ce sont des jeunes, surtout, des étudiants. Et ceux-là sont contre le putsch du colonel Boumediene. Mais oui, en effet, je venais de passer 3 jours avec le président Ben Bella. J'avais fait avec lui la tournée d'Orani et j'avais assisté jeudi soir à côté de lui au match de football Algérie-Brésil. Et nous sommes revenus vendredi matin.